Good morning. Allez, Iden, les sujets aujourd'hui de Nishma, Janine Ruth, Bat Fortune, Mazal Fritna, Lachaya, Bat Mazal Tov, Lucien, Bat Raina, et Klo Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Maseret Gitin, Perekret Mishnah, Hey. Katav, les Shum, Malchut, Shena, Ogenet, les Shum, Malchut, Madai, les Shum, Malchut, Yavan, les Binyan, Abait, les Khurban, Abait, Aya, Bamizrach, les Katav, Bemaharav, Bemaharav, les Katav, Bamizrach, Tetse, Mise, ou Mise, ou Tsincha, Get, Mise, ou miser, et je m'arrête là pour le moment. Et d'abord, on traduit le cas. Katav leshum malchut she'ena ogenet. Il a écrit le get en précisant que ça s'est passé depuis le décompte d'un roi, dans un royaume, du royaume indigne. Phrase un peu floue, on va expliquer après. Ou bien encore leshum malchut madai, ou encore en calculant depuis les dates du royaume de Madai, de la Mède, les Shum Malchut Yavan depuis le royaume de Grèce, ou bien le rang qu'il a pris comme référentiel, les Binyan Abayit, la date de construction du Beth Amikdash, les Khurban Abayit, la date de destruction du Beth Amikdash, ou encore Ayab Amizrach avec Ataf Bemarav, il était à l'est, et il a écrit qu'il se trouvait à l'ouest, Bemarav avec Ataf Bemizrach, ou bien il était à l'ouest, et il a écrit qu'il était à l'est. Tetse Mise ou Mise, la femme devra divorcer des deux, mais tsikha get mise ou mise, elle devra reprendre un deuxième get des deux personnes. Je vais là d'abord expliquer le cas. On est en train de s'intéresser au référentiel à partir desquels on écrit le get. Lorsqu'on écrit un get, il faut écrire le lieu où il a été écrit, la date où il a été écrit. Et ce qui se passe, c'est que, alors, deux cas de figure, deux groupes dans la Mishnah. Un premier, c'est qu'il a écrit une bonne date, mais avec un mauvais référentiel. C'est-à-dire, on est en ce moment, chacun dans son pays, si on est sous le royaume de France, il faut calculer selon la date du roi de France, le dernier roi, comme c'était l'usage de compter les années, selon le roi de France, et pas avec le roi de quelqu'un d'autre. C'est un crime de lèse-majesté très violent, que tu te retrouves dans mon pays en ce moment, et tu calcules selon le roi d'Espagne. Quoi, tu te rends en Espagne ici ou quoi? Tu veux qu'on fasse la guerre? C'est quoi? C'est une mérida. D'accord? C'est un... j'ai pas le mot, mais c'est pas grave. Il y a donc... d'accord? Il faut écrire selon la loi selon la date du pays dans lequel on se trouve, la manière de compter les années. Et tu peux pas prendre un autre référentiel, ni d'un autre royaume, ni même de nous, le royaume des Juifs, en disant depuis la construction du Beth Amikdash, ou la date, ou bien en prenant même la date de destruction du Beth Amikdash. Pourquoi tout ça? Il y a maintenant, Chachamim ont instauré de prendre comme référentiel, pour l'écriture des guettes, le lieu dans lequel on se trouve, la manière de compter les années du lieu dans lequel on se trouve, de manière à ce qu'on va donner de l'importance au roi du secteur dans lequel on vit, au roi du royaume dans lequel on vit. Ça lui donne la Chachivut, comme on dit, même les Juifs, ils font leur compte et leur calcul religieux selon nos dates de chez nous. Ça leur donne du kavod, c'est important. Chachamim ont instauré. Ok? Ou encore même, ça c'est pour tout le premier groupe. Je laisse la première phrase bizarre pour le royaume indigne. On expliquera après, c'est en deux mots, quoi. Ou bien même, encore même principe, si on a écrit le get, important. Imaginez qu'on écrit le get par exemple, j'écris le get à Tel Aviv pour le donner à Mevaseret à Yerushalayim. Dans la même journée, il n'y a pas de problème de date. Il faut écrire quel lieu. On écrit dans le guet à tel endroit, Plony a dit qu'il veut divorcer sa femme, et tout ça, et nous, les témoins, on est venus signer tous pour lui. À quel lieu il faut écrire? Le lieu où on prévoit de donner le guet ou le lieu où on écrit le guet? Elle a la règle fixe d'écrire le lieu où on écrit le guet. Selon tous ces principes, donc, tout ça, c'est des décrets, c'est des conventions que Chachamim ont instauré, comment écrire? On aurait pu changer de convention et on n'aurait eu aucun problème, parce que du point de vue de la Torah, dès qu'on écrit à une femme « Arrête Megureshet li Beshtar ze », ça suffit pour divorcer une femme. Le lieu et la date ne sont pas des choses qui devraient invalider. Et là, on remarque dans notre Mishnah que c'est invalide, mais c'est invalide de manière catastrophique. Et c'est invalide. En fait, la Mishnah explique qu'on va selon d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir a été dans tous les décrets de Chachamim, Rabbi Meir est très très rigoureux que si jamais tu manques un décret de Chachamim, ça va devenir plus grave que si tu manques
à une loi prescrite par la Torah. Le Derabanan est plus violent, on est plus rigoureux que le Deoraita. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Midoraita, si tu écris quelque chose d'ambigu, on va pouvoir le tolérer, mais Derabanan, si jamais tu n'as pas fait ce qu'on t'a dit de faire, c'est tout est considéré comme le début de la fin. Si tu commences à contester ce que Khachamim ont assuré de faire, ça va se finir très mal comme histoire. Donc Khachamim ont donné un chizouk. Un sous-chizouk les divrei, yoter Michel Torah. Ils ont renforcé les décrets, mais des rabananes plus que les décrets, plus que les lois prescrites par la Torah elle-même, au point où on va considérer que le guet n'est pas, même si du point de vue de la Torah c'est un bon guet, et ça va nous faire des catastrophes, comme ce qu'on va expliquer dans la deuxième partie de la Mishnah. On va ensuite, la Mishnah va nous détailler maintenant toutes les catastrophes que ça va faire. Donc, je récapitule en deux phrases. Chachamim ont instauré une convention, des conventions de date et de lieu, comment situer le guet, comment écrire situé dans le temps et dans l'espace. Et celui qui manque à le faire comme ce qu'on a dit de le faire, même s'il a écrit quelque chose qui n'est pas faux, mais il a juste changé de référentiel, selon Rabbi Meir, son guet n'est pas un bon guet, mais des rabanan. Et ça va nous faire qu'on va se retrouver avec des mamzerim dans les deux sens, comme ce qu'on a expliqué tout dans les détails dans quelques secondes. Ok? Ça, c'est la partie de la Mishnah. Juste, on a commencé la Mishnah en lui disant qu'il a pris un mauvais référentiel. Et avec le premier exemple de la Mishnah, c'était qu'il avait... Il a calculé la date à partir du royaume indien. Le royaume indien, c'est Edom. D'accord? Ils sont appelés le Malchut Shena Ogenet, parce que c'est un peuple, spécialement, je ne sais pas ce que ça implique, mais c'est un peuple qui n'avait initialement pas de langue et pas d'écriture. À la différence des Grecs ou des Arabes qui avaient une langue personnelle, et Edom n'avait pas C'est frais, ça revenait plusieurs fois. Bazou Yata, dans le livre d'Ovadia. Bazouyata, parce que la chaune, comment c'est précisé, je le dis, ils ont une écriture, ils n'ont pas d'alphabet, ils ont pris ça du grec, et ni de langue personnelle. D'accord? Je ne sais pas ce que ça implique, mais c'est pour ça qu'on l'appelle Malchut Shena Ogenet, c'est Edom. Fin de la première partie de la Mishnah, donc il nous présente le cas pour nous dire que la femme, elle sera pas divorcée, mais elle est divorcée Minatora et pas Midarabanan. Alors maintenant, je vais vous projeter dans la situation, maintenant, ce que ça veut dire. Et comme ça, après, on va comprendre toute la suite de la Mishnah. Et entre parenthèses, cette Mishnah va être le tremplin pour les 5 prochaines Mishnayot. On va continuer dans la même lancée sur la même idée. Soit, Chachamim ont instauré maintenant Midrabanan que ce n'est pas un bon guet. Si jamais il a donné un guet pari à sa femme, du point de vue de la Torah, elle est divorcée. Du point de vue des Rabanan, elle n'est pas divorcée. Elle est partie pour le moment se marier avec quelqu'un d'autre. Du point de vue de la Torah, elle est mariée au deuxième, puisque le premier l'avait divorcée. Du point de vue Midrabanan, elle est mariée au premier et pas au deuxième, puisque le premier n'a pas donné un bon guet, donc ça reste la femme du premier. Ça signifie que maintenant, cette femme-là, elle est Minatora, la femme du deuxième, Midrabanan, la femme du premier, et catastrophe atomique. C'est une femme, en fait, c'est une femme mariée qui est partie avec quelqu'un d'autre, en deux mots. Elle peut partir avec personne d'autre. Si elle va avoir, elle va repartir vivre avec l'un ou avec l'autre, les enfants qu'elle va avoir, c'est des mêmes zérim, on va devoir la divorcer en ne donnant aucun droit d'une femme divorcée. En l'occurrence, toute la série qu'elle va avoir dans la Mishnah, dans toute la, avec même pire que ça. Et on va, une femme, de manière générale, lorsqu'on la divorce, elle doit recevoir ses maisonnotes, elle doit récupérer ses biens qu'elle a entrés. Si le mari a mangé les fruits alors qu'il n'avait pas le droit de les manger, il doit les lui rendre. Imaginez, je me suis marié avec une femme, et qu'après quelques temps, il s'avère qu'en fait, en réalité, cette femme, c'est une aïlonite. C'est pas juste stérile, c'est qu'en fait, elle n'est même pas... D'accord, c'est une stérilité très violente, qui fait que maintenant, dans le doute, je peux, dans certaines situations, peu importe, je peux dans certaines situations annuler le... Je peux dans certaines situations annuler le divorce. D'accord, annuler le mariage. Mais dans ce cas-là, il faut moins que je rende ce que j'ai mangé. Là, on va même pas lui demander de rendre tout ce qu'il a consommé, parce que tellement qu'on va être rigoureux envers elle. Et ainsi de suite, les héritiers, ses propres héritiers aussi de la femme, n'hériteront pas ses droits qu'elle avait. Toutes sortes de gens, on va tous faire le détail. Et du coup, suite à cette Mishnah qui va nous préciser tout ce qu'on va accabler la femme qui a pas bien, qui s'est mariée alors qu'elle ne devait pas se marier, du coup, et qui s'est mariée alors qu'elle n'avait pas vraiment divorcé, du coup, on va voir maintenant 5 prochaines Mishnayot où on va prendre comme référentiel, on va dire, qu'elle aura tous les dynimes qu'on a évoqués dans notre Mishnah. Donc retenez-les bien, on va les faire très vite. On avait appris tout ça dans Yevamot plus dans les détails. Là, on va le faire de manière beaucoup plus accélérée pour comprendre l'idée, mais pas dans tous les détails.
Pour vous donner une idée dans quel détail on va quand même entrer, c'est que lorsque je me marie avec une femme, je m'engage que d'abord, elle, vous savez qu'elle apporte des choses chez elle, elle avait des biens. Son père était très riche, il lui a donné des choses à elle. Selon le cas, des fois, il y a des choses que le père lui donne à sa fille pour que moi je les utilise. Mais ça lui appartient. Il y a des choses que le père va me donner à moi qu'en cas de divorce, je dois lui rembourser ce que ça coûtait. Ça sonne Nirse Milog et Nirse Tson Barzel. Et lorsqu'on la divorce, selon le cas, je rends les choses telles quelles ou je dois compléter ce que j'ai manqué. C'est ce qu'on appelle les blaot et les perot. Ok? Là, dans toutes nos situations, là, les deux maris vont devoir divorcer leur femme, ni en lui donnant les maisonnottes, lui donnant de quoi manger, ni en lui donnant ni les blaot, ni rien, on lui rend tout tel quel, rentre avec ce qu'il y a et part vite, on ne veut plus devoir. D'accord? Donc c'est ce que la Mishnah m'a dit. Tetsé mizu mizé. Donc si elle a reçu le mauvais guet, maintenant je vais faire toute la série, d'accord? On va aller vite les traduire maintenant, pour ne pas trop rallonger le cours. Donc, elle a divorcé avec le premier, un mauvais guet midrabanan qui est bon minatora, elle s'est mariée avec un deuxième. Donc, minatora, elle est mariée avec le deuxième, midrabanan, elle n'est pas mariée avec le deuxième, puisqu'elle est encore mariée au premier. Et dans ce cas-là, la Chan nous dit, tetsé mizu mizé, elle devra divorcer de lui, recevoir un deuxième guet, ou tsrecha guet mizu mizé, elle devra reprendre un guet de l'un et de l'autre. Ven la loktuba, elle n'aura ni la ktuba, la dot qu'on doit lui donner, velo perot, ni même récupérer les perot, c'est-à-dire les fruits que le mari aurait mangé des biens qui lui appartiennent de Nirsemilog, velo maisonot, et ne pas non plus recevoir nourrir sa fille, parce que si jamais elle avait des filles, on s'est engagé à les nourrir aussi, les maisonot, ça s'appelle, d'accord? Et non, plus précisément, il nous dit le Tiferet Yisrael. Le partenaire n'explique rien ici. Il dit tout. On ne peut pas voir dans Yivamot. Nous, on a le Tiferet Yisrael, c'est le seul qui a expliqué, en fait, concrètement, qui explique ici, qui nous dit, en fait, c'est quoi Maisonot? C'est que si elle a emprunté le mari, elle aucun mari, elle a emprunté une femme, que le mari est parti. Elle emprunte pour manger, et lorsque le mari revient, il a l'obligation de rembourser les dettes. Là, elle n'aura pas l'obligation. Là, le mari n'aura pas besoin de rembourser les dettes. Celle qui devra se débrouiller toute seule pour payer les dettes de ce qu'elle a mangé. Velo blaot ni non plus ce qui a été utilisé et usé. C'est par rapport au Nirsetson de Barzel. Lo alze, velo alze. Ni de l'un ni de l'autre. Chacun ne doit rien. Im natla. Et pire que ça. Ve im natla mizo mizé tarzir. Et si elle a récupéré ce que le mari a usé, ce que le mari a utilisé, eh ben, elle devra les rendre de nouveau. Ve avlad mamzer mizé ou mizé. Et le Vlad, il sera mamzer avec les deux. Imaginez qu'elle reste avec le deuxième. Elle dit, oh, ça va, j'ai reçu mon guet. Je reste avec le deuxième. Il naît un enfant, un mamzer. Je dis, bon, alors je repars chez le premier. Un mamzer de nouveau, parce qu'elle est mariée avec le deuxième, avec le premier en même temps. Et avec, donc, chacun, il fait ombre sur l'autre, il l'empêche d'avoir un enfant normal. Donc, elle sera mamzer, un qui sera mamzer de Raita, un qui sera mamzer de Rabbanan. Lo, velo, zebazé, mitamina. Ni l'un ni l'autre ne pourra s'impurifier. Imaginez que, il y avait au moins le premier, imaginez que c'était un Kohen. Un Kohen, lorsque sa femme meurt, il doit au moins aller l'enterrer. Il a la misère de l'enterrer sa femme. Là, il n'en peut du tout. Il n'ira pas l'enterrer. Le deuxième, la plus forte raison, puisque c'est avec une divorcée, de toute façon. Aucun des deux maris n'aura le droit de recevoir sa trouvaille. Si ma femme, elle trouve quelque chose dans la rue, une enveloppe, 10 000 shekels, c'est pour moi. Et je suis engagé à la nourrir. Donc, les rabbins m'ont instauré qu'en retour, je suis engagé à la nourrir, à la soigner. Et à la libérer si elle se fait prendre en captivité. J'ai plein d'engagements face à ma femme. Suite à ça, Rami m'instaure aussi que si ma femme, elle gagne de l'argent, elle doit me le donner. Si elle trouve de l'argent, elle doit aussi me le donner. Et bien là, cette fois-ci, non. Il n'a pas de zrout dans sa metsia, dans ce qu'elle va trouver. Velo bemaseyada, ni dans ce qu'elle va gagner. Velo bafarat nedara, il n'aura même pas le droit non plus d'annuler ses vœux. N'importe quel mari annule le vœu de sa femme. Là, c'est la femme ni de l'un ni de l'autre. Parce qu'ils sont obligés de divorcer sans aucun droit sur elle. Et pire que ça, Aïta bat Israël, Nifselet Menakeuna, si jamais c'était une bat Israël, cette fille-là, que maintenant, imaginez maintenant que les deux maris, quand ils réalisent qu'en fait le guet il était mauvais, tous les deux ils font une crise cardiaque, ils meurent tous les deux. Maintenant, les veuves, une veuve, elle a le droit de se marier avec un Kohen, pas un Kohen Gadol, mais un Kohen, il peut se marier avec une veuve. Une veuve, il peut pas se marier avec une divorcée, mais il peut se marier avec une veuve. Là, cette fois-ci, non, elle est Psolamena Keuna, elle est invalidée pour le Kohen parce qu'elle est devenue Zona. Zona, c'est une femme qui a eu un rapport interdit, parce qu'elle était mariée à l'un, elle est partie avec l'autre. Bat Lévi, si jamais c'est une fille de Lévi, elle est Psula Mina Maaser, elle n'aura même plus le droit de manger le Maaser, un grand chidouche, parce qu'en théorie, une fille de Lévi, elle n'est jamais invalidée pour donner un Lévi, même si elle fait les plus graves avéros du monde. Là, cette fois-ci, oui. On a fait un knas sur elle. Bat Cohen, Mina Trouma, si maintenant c'était une fille de Cohen, son père, c'est un Cohen, maintenant tous les deux, ils vont la divorcer. Elle dit la divorce, elle n'a plus d'enfants. En théorie, elle peut repartir vivre chez son père et manger la trauma. Et bien là, c'est fini, c'est devenu une zona.
Ni les héritiers de l'un, ni les héritiers de l'autre ne pourront hériter de sa ktuba. C'est-à-dire, le premier, il a eu des enfants avec elle. Le deuxième, il a aussi eu des enfants avec elle. Après, on lui dirait, t'es marié, t'es en problème entre les deux. Aucun des héritiers, ni de l'un ni de l'autre, ne pourront hériter de la ktuba. D'accord? De sa ktuba. Veimetu, c'est des cas particuliers de la ktuba. Là, je rentre pas dedans parce que sinon, ça nous prendra vraiment 10 minutes pour expliquer ça. Veimetu. Et si jamais maintenant les deux maris meurent et qu'elle n'avait pas d'enfant, en théorie elle doit faire le hiboum soit à l'un soit à l'autre. Eh ben non. Achim shelze va achim shelze cholzin belom yavnim. Le frère de l'un et le frère de l'autre devront lui faire la chalitza et pas le hiboum. Fin du pack de galère pour la femme qui est mal divorcée. La Mishnah continue encore. Shina shmo ou shma. Si le scribe qui a écrit le get, au lieu de modifier le nom, au lieu de prendre un mauvais référentiel de date ou de lieu comme on a évoqué, il a fait pire cette fois-ci, il a changé son nom de lui ou d'elle. Ou encore le nom de sa ville à lui ou le nom de sa ville à elle. Au lieu d'écrire Ari Meir de Jérusalem ou de Ramoth, il lui a écrit Ari Meir de Mevaseret Sion. Apparemment. Ou même mieux que ça, il lui a changé son nom. Ben dans les deux cas aussi, de nouveau, t'es misé ou misé, et on lui a donné le guet comme ça, on n'a pas fait attention à ce qu'il avait écrit, par exemple, bien on s'est dit, bon, après on va expliquer exactement de quoi on parle, parce qu'il y a une petite nuance, mais en tout cas, suite à ça, elle a pris son guet, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre, après on réalise l'erreur qui a été, t'es misé ou misé, elle devra ressortir, recevoir un guet des deux, de nouveau, des kol adrachim ailuba, tout le pack de misère qu'on a évoqué dans la Mishnah, sera à appliquer aussi sur cette femme, qu'au lieu de changer le référentiel de temps et de lieu, on a changé les noms tout simplement. Plus précisément, on parle qu'on a changé les noms, c'est pas qu'on a changé les noms en disant, en écrivant n'importe quoi. C'est que moi, en Israël, on m'appelle Harry. Mais quand je suis en France, on m'appelle Jean-Pierre. Maintenant, on a dit Jean-Pierre de Jérusalem. Ben non, ici, elle a demandé à tous mes voisins, ils savent pas que je m'appelle Jean-Pierre. Donc du coup, comment on fait? Eh bien, mais maintenant, c'est mon nom et c'est ma ville. Eh ben non, même sur ça, il faut écrire le nom comme tu es appelé dans ton coin, dans ta contrée, chez toi. C'était fréquent à l'époque, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui avaient deux noms, j'imagine. D'accord, il y avait des surnoms, je ne sais pas pourquoi, on se retrouvait avec des noms. Il y avait des gens qui avaient un nom comme ça ici, un autre nom quand ils partaient à l'extérieur. Peut-être que ça peut se retrouver encore chez les Français, à l'époque, ouais, quand on avait tous un nom goy et un nom juif, on appelait ça. Donc, en France, on se appelait avec le nom goy, on arrive en Israël, après ils sont appelés avec le nom juif. Imaginez que c'est la situation, eh bien, de nouveau, il faut écrire le nom par lequel tu es appelé dans ton endroit, avec ce nom-là que tu as appelé aujourd'hui, et sinon, de nouveau, kol adrachim ailuba, si on a modifié, même si concrètement le get, en théorie, il est bon, parce que dès qu'on a qualifié la personne, on sait qu'il s'appelle comme ça, ça devrait être bon, eh bien non, tu as modifié l'ordre que Chachamim ont instauré, le get devient invalidé, midarabanan, et selon Rabbi Meir, c'est plus grave même qu'un get, c'est plus grave qu'une chumra de la Torah. Et donc, kol adrachim ailuba, tous les packs de misère et d'interdits évoqués seront applicables sur elle. Je vous rappelle de nouveau, je vous ai dit, pour le prochain Mishnah, Vav, Zayn, Chet et Tet encore, on va se retrouver encore de nouveau avec ces packs d'interdits qu'il faudra appliquer de nouveau sur cette femme. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. Slacha kol tov, c'est là.